quelqu'un qui la nourrit, enfin, qui continue de me nourrir. Enfin, voilà, ça fait partie vraiment des défricheurs, des gens qui les premiers ont vraiment expérimenté ces champs de la création avec d'autres, tout seul. L'école de New York particulièrement, et du coup c'est sûr que cette façon en tout cas de dire que musique égale bruit, égale son, égale silence, et que en fait la musique est partout là, comment on se met à écouter, ça c'était vraiment la phrase clé du Cage, pour nous c'est très vrai, c'est-à-dire que effectivement notre musique là, ça ne s'apparente pas du tout à ce que pouvait faire Cage, peut-être qu'il ferait ça aujourd'hui s'il était toujours là, pas des choses comme ça, mais en tout cas le fait d'écouter n'importe quel son dans ce qui nous entoure, que ce soit dans le gare, dans un bus, dans un ascenseur tout à l'heure, et de se dire que chaque, en fait, les sons sont partout, et qu'à partir du moment où on se met à les écouter comme de la musique, ce qui pour nous est le cas, ce qui nous intéresse, c'est les matières avant tout, plus que les sources, c'est-à-dire que l'épaisseur d'un son, sa couleur, sa forme, sa tessiture, son grain, etc., plus que, c'est un train, c'est un oiseau, c'est un ascenseur, c'est une soufflerie qui est là au fond. Hein. Et du coup, on travaille vraiment comme ça. Enfin, on travaille avec cette idée que on est dans la fabrication et dans la sculpture, et dans le tissage. Et en enlevant les hauteurs définies, on a tout ça appris en musique, on a appris un do, un sol, une croche, une demi-croche, tout est fractionné, organisé. Et on s'efforce d'enlever tout ça. On n'est pas du tout sur des sons simples ou sur des rythmes simples, on est vraiment sur une construction dans la globalité de la pièce qu'on compose en la jouant en fait. Donc on improvise, on n'a rien de prédéfini, on n'a rien interdit non plus. Par moment, on peut très bien entendre un son très droit qui a certainement une hauteur très définie. Si on pouvait noter, ce serait certainement des notes, des accords très. Concret. Mais c'est pas ça qui nous intéresse dans cette fabrication. On est vraiment sur la composition d'une pièce qui est durée déterminée, enfin non déterminée. Et ensuite, c'est comme tu parlais de la vie, le matin on se réveille, on part petit-déj, on fait machin. Le lendemain, on ne fera pas la même chose parce qu'il va se passer un truc. Et là, on fonctionne exactement pareil, mais tout en microcosme. Donc, on prévoit de faire un son parce que dans notre chemin propre, on a une action, on a une vie propre, lui et moi. On est vraiment à la fois dépendant et à la fois interdépendant. On a vraiment un chemin. Et j'avais prévu à un moment donné de faire ça, et paf, il fait autre chose qui fait que c'est pas possible que je fasse ça, puisqu'il a fait autre chose et que mon chemin, il va aller à terme. Donc, on est sans arrêt en réaction et en action, mais avec les oreilles ouvertes. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le dispositif, il est un petit peu particulier. On a du temps à le mettre en place et puis à le travailler, mais là, il commence maintenant à le maîtriser. En fait, vous l'avez peut-être vu, on est donc, comme disait Eric, on est dépendant et en même temps, on est connecté. On est relié en OSC par nos iPads, enfin un réseau concret en fait. Tout est géré par une carte son qui est là et par l'ordinateur, par un des Macs. Et ce qui fait qu'en fait on peut chacun interagir sur l'autre. Par exemple, Eric qui peut repiquer, prendre des sons que je suis en train de produire ici, les traiter en temps réel, les travailler, les transformer, les redistribuer. Et on peut agir sur la multidiffusion, donc on est en quadriphonie et on a tout un système qui nous permet, que Eric a codé, qui nous permet de déplacer les sons dans l'espace, donc soit manuellement. D'envoyer tel son là, puis là, puis là, puis là, soit de générer des courbes x, y qui se calculent et puis ensuite qui se mettent en circulation. Donc, évidemment, quand on ouvre un micro par exemple, l'autre voit qu'on a ouvert le micro, si on met une reverb, on le voit, on peut l'enlever, enfin voilà, on est relié, donc dès que l'un fait quelque chose, l'autre le sait. Le sait par l'écoute, mais le sait aussi physiquement en regardant ses écrans. Et du coup, cette façon de faire nous permet d'être vraiment. C'est pour ça que ça me paraissait intéressant d'être dans ce séminaire sur la pratique de l'écoute et écoute des pratiques, parce que c'est vraiment un travail d'écoute. On est que là-dedans, à partir du moment où on se met à jouer, bah voilà, c'est que de l'écoute. Et on construit petit à petit en fonction de ce que fait l'autre, et on interagit, et voilà, et tout se fait par le son en fait. Et d'habitude, là on ne l'a pas fait, mais d'habitude on ajoute aussi, quand on joue dans un lieu particulier, moi j'enregistre des sons, j'ai un agra, j'enregistre des sons dans le lieu
que je m'en suis très injecté. C'est pour ça que j'ai cette dimension là, voilà, c'est pour ça que... Là, c'est des sons qui viennent d'ailleurs, il y a des sons qui viennent un peu partout, de différents endroits, de mes collectages pour différentes pièces que je réinjecte. Mais d'habitude, on n'utilise que des sons qu'on a dans le... Il arrivait qu'on mette en réel un micro qui, ouais, qui au loin donne le son du dehors, mais à l'intérieur de notre cerveau, on transpose la vie à l'intérieur, mais pour le moins, on façonne. On peut ramener, par exemple, on a joué dans un moulin, on a ramené l'eau du moulin loin, voilà, on peut la faire. Si on ouvrait les fenêtres, c'est cool, ça arrive à l'intérieur, puis on va la retravailler. Ouais. Donc il y a cette idée de porosité entre, disons, l'espace de la musique et l'espace extérieur, l'espace. D'écoute et l'espace qui est dehors. Totalement, en fait d'ailleurs on est en train de travailler là, c'est positif, vous voyez, il y a plein de fils et de câbles partout, mais on est en train de travailler à ce qu'on soit complètement autonome en électricité, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des batteries. Parce que l'idée est de pouvoir jouer cette musique-là en pleine forêt ou en pleine montagne, ou, voilà. Et ça sera le cas d'ailleurs au festival de Chaillot chez Michael Young, on jouera cet été là, au mois d'août, et du coup là l'idée c'est d'être complètement en pleine nature. Mais de pouvoir générer quand même une musique électronique, électro-acoustique. Donc on aura voilà, des batteries, et en lumière, et en son, on sera complètement autonome. J'avais tous ces appareils-là. Donc, parce qu'on cherche à être voilà, en plein cœur de la nature telle qu'elle soit, mais de pouvoir jouer avec les sons en étant juste à la limite, peut-être perdre le contrôle aussi, plus trop savoir d'où ça vient, d'aller chercher des sons un peu plus loin. Enfin, voilà. Donc improviser pas seulement entre vous deux, mais ouais. Mais aussi avec les sons. Voilà, bien sûr. On est obligatoirement façonné par les sons aussi. Qu'est-ce qui se passe, nous, entre les haut-parleurs, si à un moment donné, on entend un enfant qui crie dehors, forcément, ça va réfléchir dans notre direction. Oui, moi je trouve ça intéressant parce que je trouve que dans les milieux de musique improvisée, bah, surtout, je pense au réductionnisme berlinoise, etc. Souvent, il y a cette tension, bah, cette, quelque part, héroïsation de la musique qui impose en fait, un silence au public, au monde qui est tout autour, et qui impose aussi des postures d'écoute qui vont être canonisées par le public aussi. Qui va, les reproduire d'un concert à l'autre. Ce que tu dis, ça me fait penser à nous, il y a une chose qui nous intéresse et qui se passe avec ce duo qui s'appelle Norgue, c'est qu'en fait justement on s'aperçoit que ces pratiques d'écoute dont tu parles, c'est la culture de l'écoute en fait. Et ces cultures d'écoute, elles sont très présentes clairement en France aussi, hein, c'est-à-dire que si on est dans le réseau de la musique contemporaine, ce qui est plus mon cas, je viens plutôt de là, avec l'écriture, musicale et tout ça. Eric, il vient plutôt d'un réseau justement musique improvisée, il fait toutes les salles, toutes les squads un peu partout avec plein de choses. Donc c'est un autre réseau. Et en fait, on travaille ensemble, on fait de la musique ensemble parce que ce qui nous intéresse, c'est le son. Et on s'aperçoit que du coup, avec ce groupe-là, ces frontières se cassent. On joue aussi bien dans. On a joué à Genève, comment ça s'appelle ? Le CAF12. À CAF12, voilà. Sont passés, etc., qui font cette musique expérimentale, etc. Et on jouera à l'Arsenal, à la Cité musicale de Metz, voilà, pour un public mieux. Et en fait, tout ça, et on a fait, voilà, on fait de la radio, on est passé sur France Musique, et vraiment, sur Radio Libertaire, une émission. Et en fait, le fait de faire cette musique-là, et d'être justement hors catégorie, hors frontière, et de pas, en tout cas, nous, de ne pas dire quelque chose avec cette écoute, justement, de ne pas imposer une pratique, de dire, voilà, notre musique s'écoute comme ça. Non, on ne va pas jouer comme ça dans un séminaire, donc il faut que les gens... On n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt dans le fait qu'on peut jouer n'importe où, et ce qui compte, c'est... On va jouer à la Roudineuse demain soir, par exemple. On va jouer à la Roudineuse demain soir, et du coup, et c'est super, parce qu'on est dans plein de lieux différents, et ça marche, et on s'aperçoit que le public, en fait, est très ouvert à ça. Et à ces pratiques-là, sans savoir que finalement ça pourrait très bien s'appeler de la musique contemporaine et aller s'écouter la présence musicale. Enfin, et ça me paraît intéressant parce qu'en fait ça dit aussi beaucoup de ce qu'on met derrière les pratiques d'écoute et les termes, etc.
Oui, c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler cette séance écoute in situ, l'impression de la situation, justement, qui n'est pas celle du contexte social ou institutionnel, etc., mais qui est vraiment pour nous, en tout cas, la question de ce qui se passe là, dans un instant T, dans un lieu avec des gens qui sont de toute façon en interaction, et voilà, et qui assument aussi le risque peut-être que ça ne se passe pas, ça se passe, etc., etc. Et voilà, c'est cette question vraiment de la situation, parce qu'on a inauguré le séminaire avec Daniel D, pour ceux qui étaient peut-être là, qui insistait beaucoup sur cette question aussi de la porosité. Je crois que le son, la question du son et de l'écoute, nous engage à cette posture-là, celle de la situation, celle de la porosité, où, qui n'est pas la question du visuel, justement. Hein, même si après on peut écouter en ayant des images, c'est pas la question, mais la question vraiment du son est ailleurs, et c'est ça qui me semblait intéressant de développer ici. Les frontières sont un peu plus floues. On tend bien de l'ordre un peu vertigineux. C'est un jeu de flouter, de plus souvent, quoi, et de plus en plus flouter. Ben moi, personnellement, je suis très intéressée, au contraire aussi, à la question de la situation en termes des relations institutionnelles, du lieu dans lequel on joue, on écoute, et aussi de la situation sociale qu'on met en place et des relations de pouvoir qu'on met en place dans les contextes dans lesquels on joue et on écoute. Donc je suis intéressée à l'idée de déplacer en fait les pratiques d'écoute d'un lieu à l'autre et aussi de déplacer les limites qu'on pose dans certaines situations qui sont... Parce que c'est vrai que souvent les contextes d'écoute et les contextes musicaux sont très cloisonnés et très canonisés, même dans les milieux des musiques expérimentales. Ah, oui. Oui, mais ça c'était. J'avais un projet sur lequel j'ai travaillé, dont tu parlais tout à l'heure, Christine, qui s'appelle Walden, en bouquin de Soro, où l'idée c'était de dire que justement, les archives, ce qu'on appelle les niveaux d'architecture, qu'on soit les architectures formelles, dans quel bâtiment on évolue, quel bâtiment on écoute, etc. Parce que la situation elle est là aussi. C'est-à-dire que la façon dont on pose un lieu dans un endroit, évidemment, son architecture dit beaucoup, et dès qu'on arrive, alors nous on arrive, on ne connaît pas la Fondation Mera, on arrive, ce qu'on voit en premier, c'est le lieu. Et ce lieu nous dit déjà beaucoup de choses, par la culture, par le savoir, par les clichés, par les préjugés, par tout ça, bien sûr, mais du coup, ça transmet de l'information. Donc l'architecture formelle, ensuite l'architecture sociale, évidemment, avec qui on va au concert, pourquoi, dans quel milieu on gravite, etc. Et puis l'architecture sonore des lieux, parce qu'on entend constamment dans ces lieux. Et l'idée, c'était de dire que tout ça influe forcément sur la façon d'écouter, la façon de comprendre le son. Et du coup, c'était un projet d'aller travailler, d'aller écrire des partitions en fonction de tous ces critères, donc des partitions graphiques, qui étaient ensuite jouées par des ensembles de musique contemporaine, donc avec plusieurs, ça continue d'ailleurs, mais étudier, c'est vraiment cette question-là. C'est comment, en fait, les pratiques d'écoute, finalement, plus que le savoir écouter, parce que ça se travaille aussi, il y aurait beaucoup à faire, mais savoir juste se mettre à écouter. Donc, avant de faire ça, il y a déjà un gros travail à faire sur comment on permet aux gens d'écouter de façon la plus neutre possible, la plus ouverte possible, en gommant tout ça. Et ça, c'est très très présent, effectivement, et dans tous les milieux. Que ce soit en musique expérimentale, enfin, chaque milieu a ses codes et sa façon de faire. Mais finalement, le son. Enfin, toujours les mêmes principes. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, le son, lui, il s'en fout, que ce soit du reggae, la musique contemporaine, la musique électroacoustique, la musique expérimentale. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on gomme ou est-ce qu'on a, une posture qui n'accorde, qui ne laisse pas la place au fait d'accorder d'importance au signe du reggae? Je pense que, je ne dis pas qu'on gomme, je dis qu'il faudrait arriver à chercher. Ouais. Hein? Mais je pense qu'on est tous victimes, en fait, de... Ou porteurs. Moi, je te vois quand tu chantes jeune, demi-jeune, beaucoup. En même temps, c'est un signe. Ah, complètement, mais tout. Et voilà, c'est-à-dire que mais ce signe que ça t'envoie à toi, ouais, n'est pas le même que ça m'a envoyé à quelqu'un. Oui, pas forcément visible. Tu vois, voilà. Et du coup, évidemment que c'est un... Voilà, paf, il va se passer quelque chose du coup entre nous, donc peut-être que tu vas écouter d'une façon particulière parce que tu as cette histoire qui fait que, puis quelqu'un d'autre, ça sera complètement l'inverse, ou il sera complètement, passera à côté, ou ça sera carrément, sera réfractaire, enfin, je sais pas, et tous ces signes,
voilà, ils ont tous le fait qu'on est habillé en noir, le fait qu'on travaille comme ça, on est face à face, des fois on joue côte à côte, les machines aussi, ça indique des choses. Il y a plein de musiciens, mais quand on est musicien, on rentre, on voit un dispositif comme ça, on regarde, et tout de suite, ça nous envoie plein d'informations. Tac, 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 ah oui, d'accord, ils font ça, ok, ah oui, ils utilisent ça, bon, ouais, d'accord, tac, tac, c'est arrivé. Hein. Et du coup, après, on écoute en se disant, ah ouais, bon, ouais, voilà. Ou alors, j'aurais s'en fait comme ça. Voilà, ouais, c'est pas mal, mais moi, franchement, franchement, le cadeau, c'est bon, quoi. Moi, je suis sûr. Voilà, et du coup, tout ça, c'est de la culture qu'on transporte avec ouais. nous et qu'on aime bien revendiquer, etc. Mais... Bon. En termes de code, justement, enfin, c'est un peu. Vous avez lancé les choses. D'un point de vue artisanal et par rapport au dispositif, je me pose une question. Enfin, c'est pas vraiment, je vous pose la question. Mais... ah, si, c'est quand même des questions, parce que c'est aussi dans la pratique. Le rapport de rendement en termes de son et de dynamique, soit à partir de la préamplification des outils numériques et des outils analogiques, n'est pas la même. Et est-ce que vous arrivez à expérimenter quelque chose avec des outils qui sont un peu le mix des deux et des contrôleurs, dans la chaîne du son, quelque chose qui vous satisfait en termes de rendement dans la dynamique qui est liée à la préamplification? À quel endroit se trouve l'écoute dans la chaîne du son? Sur le est-ce que l'analogie qui vient clore la chaîne du son dans le, avant la préamplification de l'écoute ou c'est numérique? Non, c'est pas. C'est une question dans le dispositif pour vous. C'est vrai. Ça a été une question dans le dispositif. On n'est pas sur les histoires avec moi par rapport à ça. Moi, je parle vraiment d'analogique. Total, c'est enfin, je fabrique toutes mes pédales, c'est moi qui le fais. Donc il y a vraiment le numérique maintenant. Le numérique, c'est juste la fin de chaîne pour la spatialisation et l'enregistrement en boucle de tous les sons qui sortent des pédales. Donc il n'y a pas de il n'y a pas d'émission de son numérique. Chez lui, enfin, peut-être le Mac sur ces trois groupes. Et encore, parce que ce sont des sons qui sont enregistrés en statique avec un analogue, ce ne sont que des sources analogiques qui sont enregistrées et qui sont travaillées en temps réel. Après, ce ne sont que les claviers analogiques et puis les sons ici, que de la production de sons de matière, de métal, pierre, etc. Donc on est plutôt quand même. Ce qui nous porte, plutôt l'analogique. Le numérique nous sert évidemment parce que le plus pour le système. Processus, la relation par l'OSC, pour gérer la diffusion, pour gérer le patch, etc. Tout ça, oui, ok. Mais c'est vrai qu'on essaie d'être le plus proche possible d'un son qui a du grain et qui. Voilà. Je me posais la question parce qu'à l'écoute, je trouvais qu'il y avait un rapport de dynamique qui était, comme naturellement, très compressé. Alors, est-ce la somme de vos sources qui s'auto. S'auto-régule entre elles. Je pense que ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est ça. On n'a aucun effet de compression, on n'a rien du tout. Enfin, non. Et on en sort avec pas vraiment de gain sur le global. Après, là, on a joué effectivement. Je veux dire, selon où on est, ce qui se passe, ça peut jouer beaucoup plus relâché, sans, avec beaucoup moins de régulation, avec beaucoup plus fort, etc. On n'utilise pas forcément d'ailleurs son panneau. Avoir une diffusion plus puissante. Là, c'est vrai que tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est installé, sans s'en parler tout à l'heure, je pense que c'est fini, d'assez tendu, avec une tension, puisqu'une compression, il y avait une tension dans le son. Et je ne sais pas pourquoi et comment ça vient, mais il y a eu quelque chose comme ça d'assez dark qui a duré assez longtemps, et peut-être voilà, ça aussi. Ouais, c'est, mais moi j'ai trouvé que justement la toute fin, là, quand quelque part les drones sont partis, non, ouais. Il y avait quelque chose au niveau du son qui s'est complètement libéré. Ouais. Parce que peut-être c'est lié à la possibilité du lieu, etc. Ouais, dans l'information aussi. Et dans l'information aussi, parce que d'un coup on n'a non plus toutes les oppositions de phase dans le même médium qui génèrent aussi cette impression naturelle du son. Faut
complètement. Et du coup, c'est pour ça que je pose cette question, parce que j'ai trouvé globalement que le son était finalement très écrasé. Alors, il peut être puissant, je trouvais assez écrasé. Je me demandais si c'était... Enfin, je peux la raison de ma question. Ouais. Justement, à ce propos-là, enfin, deux, trois petites remarques qui ne sont pas des critiques, hein, ouais, esthétiques, ouais. C'est justement se mettre du point de vue des coups. Déjà, par rapport à ce que tu disais, que tu évoquais John Cage, j'ai l'impression qu'on est à la verse même de John Cage, ce qui est pas grave, mais plutôt du côté de la montée, c'est du côté du son continu et de la maîtrise absolue du son. Donc il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas. Ce qui est de l'environnement, c'est ce que vous avez intégré, que vous restituez à un moment, vous avez choisi de restituer. C'est simplement ça, donc je pense que on est plus de ce côté-là que du côté de John Cage. Voilà. Ça dépend, parce que ça dépend, parce que si on prend par exemple ce que fait les events de Cage avec je fais référence à un dialogue qu'ils ont eu entre eux ou qui était la totale estime aussi, parce que ils avaient des positions très différentes. C'est qui comprend l'absolu du son et l'obsession du son continu, de celui de la montée des mots, et puis celui de l'événement de l'écoute du son qui pouvait surgir à tout moment. Oui, mais enfin bon, pas les plusieurs. D'accord. Ok. Alors c'est vrai qu'effectivement, du côté de l'écoute, on a, comment dire, quand il s'agit, enfin il y a plusieurs questions. La première, quel est un peu le vocabulaire qui pourrait être un petit peu l'équivalent de ce qui correspond aux sensations que l'on a en goûtant du vin. Donc on sait que toutes ces nuances qu'on a à déguster du vin viennent aussi grâce à un grand renfort de mots et qui arrive à situer très précisément les émotions des personnes. Je pose déjà la question, est-ce qu'il faut disposer du vocabulaire et de la formation du musicien pour pouvoir goûter à l'écoute, ou alors existe-t-il un répertoire plus large, plus accessible et non spécialisé qui permet d'exprimer avec autant de nuances qu'un musicien pourrait le faire ce qui est ressenti par l'oreille. Donc ça c'est une question un peu générale que je pose. Qu'y a-t-il de hors de la culture du musicien qui permet de pouvoir disposer des éléments de vocabulaire qui pourrait spécifier toutes les nuances de l'écoute. Ça, c'est une question que je me pose. L'autre, par rapport à ce qu'on a pu entendre, ou d'une manière générale, ce qui peut être produit un peu dans la proposition que vous faites, il y a, comment dirais-je, on a besoin d'un vocabulaire, la plupart du temps, spatial pour définir, enfin, d'ailleurs, c'est comme ça que le langage est constitué, la linguistique nous le rappelle de manière générale, ce qui est temporel, plutôt exprimé par des mots qui sont plutôt relevés de la catégorie spatiale, donc on définit avec des mots d'espace ce qu'on ressent dans la durée. Et donc j'essaye personnellement, parce qu'on est en train de parler d'écoute, donc chacun peut peut-être parler de son expérience, j'essaye déjà de savoir si ce que je ressens musicalement est bidimensionnel ou tridimensionnel. Sachant que le fait de rajouter une dimension ne donne pas une valeur en plus. Hein. Donc, est-ce que ça m'arrive de manière en deux dimensions, est-ce que ça m'arrive de manière tridimensionnelle? Et c'est vrai que, par exemple, ce que j'ai entendu m'est apparu de manière très fortement bidimensionnelle. C'est-à-dire que, indépendamment du dispositif de diffusion, il y a l'effet que tu évoquais, l'effet de drone, qui agit sur moi comme à fond d'écran. Peut-être même comme une vitre contre laquelle on peut se cogner à certains moments. C'est-à-dire qu'il y a énormément de motifs qui apparaissent sur ce fond d'écran, et c'est extrêmement riche et très intéressant, mais un fond d'écran. Donc le drone coupe un peu cette dimension. Et c'est vrai que c'est à la fin, quand ce drone disparaît, s'apaise et disparaît, qu'il y a d'un coup une troisième dimension, c'est très très joli, ces petits sons d'oiseaux, mais où on arrive à tridimensionnalité. Une fois de plus, je ne dis pas qu'une dimension de plus, c'est une qualité supplémentaire au son. Hein. Mais j'ai l'impression que, quel que soit le dispositif, il y a une catégorie de la fabrication du son qui fait qu'on peut le recevoir
d'une manière spatialisée ou non. Et ce n'est pas le dispositif de spatialisation qui va compenser cet effet qu'on peut ressentir déjà en deux dimensions ou en trois dimensions de la production sonore. Pas plus, c'est un ressenti personnel, ou du moins une manière d'exprimer ce que le dispositif d'écoute peut masquer. Bah, moi, je ne sais pas ce que tu, Eric, ce que tu diras, mais pour essayer de répondre un peu à tes questions, enfin, voilà, tes interrogations sur la notion du drone, la présence des drones comme un mur, quelque chose qui est très présent et contre lequel on peut se... En fait, pour moi, ce n'est pas un mur, c'est plutôt un tapis. Tu vois, c'est-à-dire que, et ça, je pense que ça se travaille avec l'écoute, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut entendre un son qui est tout le temps là, un drone, c'est le principe, c'est ça, c'est un son qui est présent, qui est tout le temps là. Ben, ce son qui est tout le temps là, effectivement, et qui s'étire voilà, sur une longueur indéterminée, on peut effectivement le prendre en pleine face, il peut gêner, mais on peut aussi entrer à l'intérieur, justement, prendre le temps de cette durée d'écoute, cette présence intemporelle pour rentrer à l'intérieur, aller chercher toute l'information qu'on n'entendrait pas forcément au début, parce qu'on va rentrer dans la matière, et finalement, il devient une espèce de tapis qui va permettre d'écouter le reste, d'ouvrir le reste, etc. Et du coup, c'est un peu le principe pour les gens qui font du noise ou de la drone, c'est l'idée de se dire que c'est pas quelque chose qui cache, au contraire, c'est quelque chose qui ouvre un autre espace. Et du coup, c'est sûr qu'il faut du temps, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se... Je pense qu'il y a pour le coup un vrai travail d'écoute de comment je peux utiliser ce son tout le temps là pour écouter autrement. Comme quand on est par exemple dans une gare, qu'on attend et que c'est hyper bruyant, parce que les gares c'est vraiment hyper bruyant, et qu'il y a des sons partout, les trains, et que toute cette masse, cette grosse masse devient, parce que je le décide, un drone, et non plus un mur, mais un tapis sur lequel je m'installe, et je me mets à écouter au-dessus de ce tapis sonore qui est là. Et d'un seul coup, on perçoit complètement autre chose, des petites choses qu'on n'entendait pas dans ce gros drone si on le prend comme ça de face. Et du coup, voilà, moi je parle, en tout cas, je pourrais dire ça comme réaction. Bah ouais, c'est la similitude avec le noir pour la vue. Quand on sort d'un plein jour, d'un plein soleil, on arrive dans une salle, une pièce très sombre, vraiment dans l'obscurité, on voit rien. Donc on a sur cette chose dont tu parles. Et au fur et à mesure, on passe derrière autre chose et on commence à apercevoir des formes. Et puis au fur et à mesure, on en arrive à trouver plein de petites choses dans cette grosse chose qui est l'obscurité. Et on peut aller chercher des informations et juste utiliser celle-ci en fait. Et le reste, là en l'occurrence, on ne le voit pas. Mais dans le. Enfin, moi j'aime beaucoup écouter comme ça, sur des musiques de drone, vraiment grosse noise, où je vais chercher juste une épingle dans la grosse masse qu'il y a, et où après 2 et 3, et c'est ça l'orchestre pour moi, dans le reste qui est en fait juste l'espace dans lequel ce son existe. Et c'est pas, je le considère plus comme un son. Je le considère comme l'espace où l'architecture, ces trois choses jouent. Et après, je peux très bien aller ailleurs, me remettre face au gros bazar et me le prendre et replonger ensuite. Vraiment, c'est vraiment aller derrière, revenir. Donc c'est pas juste une écoute comme ça. Après, aussi, je pense que chacun, c'est... ses référentiels, son soir, son temps pour aller chercher ces trucs-là. Moi, il me semble qu'il n'y a pas de conflit entre le vertical et l'horizontal, parce que par rapport à ce que tu dis, pour moi, ça me fait penser, ou ça me ramène à l'idée que toutes ces musiques de drone, dites noise et autres, ou acoustique, l'aventure, ou finalement la musique indienne, tout se ramène à la problématique de la musique modale. C'est-à-dire que dans une situation de drone, le drone devient la fondamentale qui va polariser tout ce qui va exister. Et tout ce qui va exister dans l'écoute ne va exister qu'à travers le prisme de la manière dont en tout cas la fondamentale du drone va polariser. Et là, il y a un rapport de force et de pouvoir, en fait.
L'idée des deux dimensions, à mon sens, c'est le, y en a, l'un c'est le temps et l'autre c'est le timbre. Mais donc elles sont complètement complémentaires. Et ce qui peut. Par rapport à l'écoute du milliard ou autre, à mon sens, là où ça se joue bien, c'est lorsque le rapport entre le détail et ce qui polarise crée une résonance et non plus un rapport de force. Parce que il y a un peu un écueil dans les musiques de drone, c'est d'y aller très très fort sur la matière finalement et être juste hyper impressionnant comme groupe de métal, quoi. Enfin, pour caricaturer. Mais c'est pour ça, on a entendu ce moment-là à la fin, quand le drone est parti, que d'un coup il y en avait un autre, c'était les sons pouvaient se détacher sur un drone plus fin qui pouvait être éventuellement en silence. Quoi. Et c'est toujours intéressant d'expérimenter. Donc le plan finalement, en termes de volume, quel est le plan de ce qui va polariser? Pourquoi choisir? Moi j'ai pas écouté, c'est marrant parce qu'on a eu chacun écouté, mais après il faut aussi. Moi j'ai trouvé ça très confortable, justement. Et permettant d'aller au-delà de ces plans qui sont soit le mur, soit le détail, et justement de pouvoir comprendre que l'un engendre l'autre, enfin en tout cas. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le soin aussi qui a été, alors je sais pas si c'est délibéré ou pas, justement de prendre soin de nos oreilles aussi et de notre écoute pour nous amener à traverser ces plans. Et c'est pour ça que je ne donne pas pour répondre, mais que je parle de Cage, c'est-à-dire qu'au-delà de la de son travail propre, j'allais dire, sur l'indéterminé, c'est aussi ce qu'il ouvre comme possibilité par rapport à l'écoute. Qu'on soit ensuite en grand ou pas dans cette question de c'est délibéré, déterminé, aléatoire, mais c'est surtout tout ce qui permet justement de sans mettre au même plan, mais de permettre par rapport au son. C'est vraiment tous ces sons presque se valent quelque part. Et moi, c'est ce que j'ai entendu là, c'est vraiment on partait de son nature, moi j'ai entendu des mots, j'ai entendu plein de choses évidemment, et puis il y avait quand même tout cet héritage des musiques noise expérimentales dites des nouvelles technologies, etc. Et ça, c'était très intéressant du point de vue de la résonance, en tout cas pour moi, des histoires, des époques, des styles. Et voilà, donc c'était très confortable d'écouter, je trouve. La question de François, oui. Mais j'avais ressenti à un moment une asphyxie, justement, en termes de. C'est les bas médiums qui m'ont gêné beaucoup, qui étaient très, très forts pour moi. Et en fait, ce que j'ai ressenti dans mon écoute globale, c'est par rapport à votre écriture aussi, c'est que c'était beaucoup d'accumulation, j'ai ressenti des superpositions de couches. Et évidemment, oui, j'ai senti aussi les détails, ce que vous disiez, mais il y a des effets de masquage effectivement qui font qu'on les entend, qu'on les perçoit ou pas. Et oui, cette sensation d'asphyxie, même presque de claustrophobie, je me suis demandé si c'était lié aussi au fait l'acoustique du lieu, certainement, ça devait être un peu. Et à cette. Au fait qu'il n'y ait pas de rupture, finalement, de vraie rupture, de silence, ou d'accident un peu plus caractérisé, enfin, qui soit plus important. Et je voulais vous demander, justement, il y a eu des micro-silences, enfin, c'était des accidents techniques qui finalement étaient intéressantes aussi, j'ai trouvé, dans votre performance. Voilà, donc ça c'était mon écoute, et je voulais savoir aussi, parce que vous aviez dit que vous étiez en communication avec un moniteur, on est sur le même réseau. Hein. Voilà, vous êtes sur le même réseau, mais vous ne vous regardez pas en fait, j'ai remarqué, pendant votre set. Et voilà, comment vous communiquez, comment vous faites pour savoir à quel moment vous allez modifier quelque chose sur le son de l'autre, qui est capté en direct. Voilà, c'était une communication. Ben, là, on sait où on est dans notre production, dans notre chemin, on sait à peu près, voire plus qu'à peu près, où on est dans notre écriture. Et à la fois, on est connectés et aussi très indépendants, parce qu'on est tous les deux compositeurs de la pièce. Et on est, comment je peux dire ça? Vas-y. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on ne joue pas forcément toujours face à face. Ça nous arrive, et là tout le monde s'est dit qu'on préférait en fait, jouer côte à côte. Bon, ça veut pas dire qu'on se regarde plus quand on est côte à côte, mais
Mais on se disait ça justement. Ah, c'est le plus compliqué. Ouais, c'est le plus compliqué. On se disait justement ça que c'est vrai, on s'est fait la même remarque que toi, c'est-à-dire, tiens, c'est marrant, en fait, on est hyper connecté l'un à l'autre, ça on l'entend, et on sent dans ce qu'on fait, et dans notre écriture, on voit très bien que l'autre est carrément dessus, quoi, il sait ce qu'on fait, et on voit bien comme ça construit, tout ça. Mais on se regarde pas. Et je pense que, enfin, on se regarde un peu, ça nous arrive. Je pense qu'on est, vraiment dans, une concentration très forte au niveau de tout ce qui se passe au niveau de nos actes sonores, c'est-à-dire qu'à la fois sur nos machines, sur nos écrans, parce qu'on est relié et on voit ce que fait l'autre, et puis dans le son, dans la multidiffusion et dans ce qui se passe. Et c'est ça, en finalement, plus que le regard de se voir prendre le micro, en fait, on l'entend, enfin, on est ensemble. Quoi. Voilà. Donc je pense que c'est pas. Bah, voilà, je pense que ce soit le regard qui. En fait, on a des timbres assez spécifiques. Ouais. Enfin, c'est spécifiquement séparé entre ce set-là et ce set-là. Sauf vraiment par moment où il y a un son qui se passe, je ne sais plus si c'est moi qui le fais ou si c'est lui, ça c'est rare en fait. Ça nous est arrivé. Que, là, c'est arrivé. Mais sinon, on maîtrise, enfin, j'entends, tiens, lui il joue ça, et c'est, tiens, je continue mon histoire, j'arrête tout, je fais autre chose. Donc on est vraiment, on se regarde avec les oreilles. Et après ce que tu dis sur les trous, sur le fait que tu as eu une asphyxie, nous, c'est marrant que tu dis ça parce que. Nous, à l'intérieur de ce qu'on produit, en fait, il y a plein de trous et de... En fait, le fait que tu dises qu'il y a des choses qui sont masquées, ça, c'est volontaire. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, de la masse, de cette chose qui est là, quand on enlève un truc, d'un seul coup, il y a quelque chose qui apparaît, qui était là, en fait, depuis le début, et comme un truc tout petit, puis en fait... Bah, et qui s'est modifié. Qui s'est modifié par... Et, voilà. On l'entend pas forcément non plus, et c'est ce qu'on aime aussi. C'est ce qu'on aime bien. Faire l'aléatoire de la chose. Ouais. On ne maîtrise pas forcément notre outil dans ce cadre-là. Ouais. Où, j'ai mes boucles, j'ai mes trucs, j'ai des sons, et bon, j'ai 6 boucles, on en est, je ne sais plus du tout, et je me noie volontiers, je ne sais plus quelle boucle fait quoi, et je décide de la pitcher à 3 octaves, de l'inverser, de copier. C'est ça, ce qui se passe, quoi. Et le résultat, je mets à zéro avant d'avoir le résultat, et puis un boucle, je lance. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce son? Et du coup, c'est ce son qui va me produire. Donc je m'auto se surprend. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on sait évidemment, on maîtrise nos outils, mais on fait aussi des choses où on cherche à ne pas maîtriser le son qui va sortir. Et du coup, à couper un truc, à renvoyer. Donc, c'est. Ouais, pour nous, à l'intérieur de cette grosse masse étirante qui s'étire, il y a des pics, des creux, des trous, etc. C'est évolutif de toute façon. C'est évolutif. Il y a aussi des moments, vous ne l'avez peut-être pas perçu, mais il y a aussi des moments où Eric n'en voit plus rien. Et moi, je ne vois plus rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi, je mets tout à zéro, tac, terminé, il n'y a plus que les sons d'Eric. Et puis, je vais écouter pendant un long moment, et puis, tiens, je me dis, ah, je vais renvoyer ça, enfin, voilà. Et c'est intéressant, mais sur le renvoi de quelque chose qu'on ne perçoit pas au départ, c'est Eric, c'est ça? Quand vous avez le micro, vous voyez parler, mais vous n'entendez pas. Ouais. Et je trouvais ça très beau. Bien sûr. Voilà, ça m'en fait plus. Et oui, est-ce qu'on pourrait dire que c'est des apparitions, hein? Quand surgissent des sons qu'on ne perçoit pas, que vous introduisez, que vous injectez, qui petit à petit apparaît, vous pouvez parler de même. Ah, ça peut être ça, ça peut être des choses qu'on fait apparaître petit à petit, mais c'est aussi souvent, finalement, plus que des apparitions volontaires, c'est des apparitions sensibles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand on est devant un monochrome, donc on le connaît par cœur lorsqu'on regarde dedans, et puis d'un seul coup, on aperçoit une. Je sais pas, une lumière particulière, une teinte dans le rouge, etc. Puis, merde, en fait, ça a toujours été là, mais je ne l'avais jamais vu. Et là, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que finalement, d'un seul coup, il y a un son qui apparaît. Et, en fait, il est là depuis le début, il est là depuis 20 minutes, mais c'est à ce moment-là que toi, tu vas le percevoir. Alors peut-être quelqu'un d'autre l'a perçu avant, ou ne l'a pas du tout entendu. Et nous, ça nous arrive aussi. Là, ça nous arrive, par exemple, d'oublier des sons, parce qu'en fait, on ne sait plus. Moi, j'avais, à un moment donné, certains étaient gênés par ça, mais moi ça m'a gêné, mais après coup, j'ai eu un son assez aigu, une fréquence assez aiguë que j'avais lancée, et que j'ai construite parce qu'elle m'intéressait à ce moment-là, parce qu'elle se coordonnait avec un son d'Eric, et puis finalement après, ça a coupé, hein, et cette fréquence, je l'ai perdue, parce que je ne l'écoutais plus, j'étais dans autre chose, j'étais dans les sons acoustiques, dans les basses, tout ça, donc je l'ai oublié, sauf qu'elle était là, j'étais très présente, et c'est d'un seul coup, au bout de, je sais pas, peut-être 3-4 minutes qu'elle m'est revenue, quoi. Parce que de ce coup, je l'ai retrouvé. Et là, je me suis dit, ah merde, bon, voilà. Mais du coup, c'est des choses qui arrivent aussi, voilà, nous, quand on est en train de le faire. Quoi.
On essaye, donc ça nous arrive le moins possible, mais ça arrive. On parlait de composition du groupe. C'est-à-dire comment vous nous expliquez votre composition? Il y a une temporalité, il y a. Malgré ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même de la dynamique. Il y a de la dynamique, il y a du sens, il y a des cours, il y a. Je parlais vraiment. Non, mais je comprends. Je disais pas qu'il n'y avait pas de sens, je disais pas qu'il n'y avait pas de dynamique. Je disais pas vraiment ça. Non, non, c'est de la composition. En tout cas, moi, j'étais prêt par le fait que. Justement, le fait qu'on soit connecté à deux en connaissant très très bien nos outils, qu'on écrit des choses sur la durée et en temps réel, et on travaille vraiment comme quelque chose de. On est en train de peindre. Donc, on compose, c'est-à-dire qu'on est moins dans le. Nous, on ne peut pas vraiment de la musique improvisée là, parce que même si c'est vrai qu'on improvise un peu sûr, on ne sait pas avant ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Néanmoins, on connaît quand même nos sons, notre dispositif, nos pédales, on a nos matières, et quand même, d'une orgue, c'est d'une orgue, quand tu réécoutes différentes sessions, ah oui, c'est nous, c'est là. Quoi. C'est-à-dire que ce projet-là, qu'on appelle Plexus, celui-ci, il a sa couleur, il a ses sons, ses modulations, sa forme. Il a un petit peu scénarisé ou pas? Ouais, ça s'est fait. Vous savez comment vous commencez Ça s'est fait de fait, mais par contre, on ne sait pas du tout. On ne sait pas quels sons on démarre en premier. Okay. On ne se dit jamais, on démarre comme ça, on finit par l'eau, on finit. Voilà, c'est des choses qui peuvent se reproduire, est-ce que ça marche bien, que ça vous plaît ou pas, ou pas du tout. Mais par contre, composition dans le sens où on est en train d'écrire, en train de faire, dans quelque chose de comme ça, de très. Composé par rapport à l'autre aussi. Et c'est vrai que c'est pas du tout en sens. La pièce n'est pas écrite. Oui. Il n'y a pas du tout de base écrite, quoi. C'est-à-dire que, imaginons si. Enfin, toutes vos compositions se passent entre vous deux. Il n'y a pas la possibilité de rajouter une tierce personne ou. En fait, là par exemple, ça nous est déjà arrivé, et puis ça nous arrivera d'autres fois. On a travaillé par exemple une fois une session avec un poète qui a performé des textes. Et là, par exemple, j'ai créé une pièce pour une orgue, pour ce note d'eau, et 5 instrumentistes de l'ensemble instantané. C'est une pièce qui va être créée à Metz justement l'année prochaine. Donc là, il y aura violoncelle, alto, flûte, clarinette, percussion, plus nous. Et l'idée, c'est d'écrire une pièce en partition graphique qui travaille vraiment sur cette notion de fil qui s'étire, qui se superpose, de couche. Oui, du coup, j'avais une question à vous poser parce que par rapport justement quand vous revendiquez de composer quelque chose en opposant par rapport justement à l'idée d'improviser parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire, c'est composer parce que quand vous utilisez tel son, vous savez quel son ça va faire. Un improvisateur en général arrive à la fois à identifier l'instrument et souvent même dans le cadre de la nuit, si on écoute Merzbo, Tomoyoshi Hide ou Vomir, on arrive à identifier aussi l'objet qu'on écoute. Et du coup, quand vous parlez de composer, je me demandais, hormis le fait que vous disiez que vous enregistriez la session, est-ce qu'après il reste une trace de cette composition que vous avez faite? Est-ce qu'elle est destinée à être réinterprétée en tant que non? Non, on va la mettre sur notre site peut-être, ou la faire écouter à des gens à qui on envoie pour trouver des dates, des choses comme ça, ça peut nous servir pour ça. Nous, la réécouter pour travailler, pour se dire, tiens, voilà, cette session elle est quand même intéressante, parce qu'il s'est passé ça, tu vois, ça va nous nourrir. Oui. Après, là, il y a des sessions qu'on garde, parce qu'on va produire un disque bientôt, donc voilà, ça va nous servir, on est en train de choisir des sessions à mettre dessus. Mais par contre, jamais on réutilise. Mais au-delà de ça, du coup, pourquoi vous revendiquez le fait de comparer des compositeurs plus que improvisateur, performeur Pour moi, l'improvisation, c'est plus une manière de faire la musique qu'un mode musical. Mmh. Faire de la musique improvisée, c'est une pratique en soi. C'est aussi chercher des mathématiques, c'est refuser de jouer devant des partitions. Voilà, c'est tout, quoi. Après, quand je fais un solo de contrebasse, c'est totalement improvisé. À partir du moment où
où il a enregistré, ou même qu'il y a en mémoire des gens qui l'ont écouté et de la mienne, ça devient une composition, ça devient quelque chose qui a une structure, qui a une propre qui est interne. Donc c'est une composition, sauf que elle n'est pas écrite, je ne peux pas la jouer. Ça d'accord. Ça me renvoyait aussi, on parlait de John Cage, de la Monte Young, etc. Cette pratique de la musique expérimentale me fait penser et à la fois tout ce qu'on discute par rapport à ces différents statuts, à la musique de David Tudor, qui faisait en solo notamment avec et pour les pièces de Merce Cunningham, qui utilisait aussi des dispositifs électroniques, je crois, qui à côté de ça avait aussi une pratique de compositeur électroacoustique, et encore au-delà de ça, elle était un pianiste assez. Créer des pièces aux États-Unis de Cobson et de Cage. Ouais. Et c'est assez marrant parce que de son point de vue, il n'y avait pas l'idée de composition forcément. Enfin, même si ça a été enregistré sur disque, je ne sais pas d'ailleurs lui comment il revendiquait ses multiples casquettes ou juste s'il considérait qu'il faisait de la musique à différents endroits. Ouais. En tout cas, dans les derniers textes de la fin de sa vie, il y a des choses très intéressantes sur le fait que d'abord, il dit qu'il fait plus de musique, que la musique, comme Cage le disait aussi d'ailleurs, que la musique l'ennuie beaucoup, que ça n'intéresse plus du tout, que ce qu'il fait, c'est du son. Et deuxièmement, c'était quelqu'un effectivement qui maîtrisait l'écriture musicale, qui a créé toutes les pièces les plus complexes possibles, imaginables pour le piano. Les compositeurs de l'époque, etc. Et à la fin, il ne voulait plus entendre parler de tout ça, il ne voulait plus de partition. Voilà, il pensait que tout ça, c'était l'intellectualisme, et qu'en fait, c'est pas là que ça se passait. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant. Après, je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait des positions. Je pense pas qu'on le dise comme un truc qu'on revendique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, là, c'est une pièce qui est composée, ou je ne sais pas, pour des compositeurs, je ne sais pas. On s'en fout un peu de ça, c'est plus que. On fait aussi de la musique improvisée en fait. Et du coup, c'est plus ça, c'est plus que là, pour nous, c'est autre chose. Quoi. On n'est pas. C'était vers le début, avant de commencer, vous aviez quand même annoncé, pas fait, encore une fois, c'est la situation. On parlait tout à l'heure de la situation d'écoute. Là, on est entre nous en train de discuter de ce qui vient de se passer. Ce sont des situations, justement, qui sont imposées plus ou moins par la rencontre du matin et le cadre universitaire. Plutôt que je pense pas qu'on aurait eu cette même discussion le soir à l'Ambulineuse. Il y a des endroits où tu joues et finalement à la fin au bar, tu discutes. Alors évidemment, c'est pas dans ces cas-là ça. Tu discutes avec 5-6 personnes et c'est génial. Et ça va très loin. Parce que ça va très très loin, parce que c'est des gens qui sont là, 36 000 trucs. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir aussi sur le parallèle avec le vin, en fait. Ouais. Et ça me fait penser à Antoine Hénon qui a écrit et théorisé d'ailleurs les amateurs de musique classique et qui a fait parallèle avec les amateurs de vin. Ouais. Et là, en nous retrouvant ici à écouter un concert, ça faisait comme si c'était un prétexte pour pouvoir écouter de la musique, un peu comme des gens vont se retrouver le matin à 10h pour goûter du vin, ça pose d'autres questions éventuelles. Et pareil, du coup, par rapport à la consommation de concerts, je ne sais pas vous, est-ce que vous faites de la musique comme quelqu'un qui va être passionné de vin, pouvoir fabriquer son propre vin? Est-ce que, du coup, ça pose aussi la question de l'écoute? Il y a différents types de pratique d'écoute, puisque c'est aussi le terme du séminaire, et après d'addiction, puisqu'il y a des gens qui vont consommer différemment la musique, qui vont pas forcément avoir besoin d'en parler, mais qui vont avoir besoin de se prendre pour filer la métaphore, une grosse cuite, ou consommer quelque chose de très très fort. Et c'est du coup, pardon, c'était juste pour rebondir sur cette. Sur le côté, en tout cas. L'idée que tu disais, j'aime bien le vin, donc je vais essayer d'en faire tout seul. Il y a un peu ça dans l'ordre, en tout cas, cette notion d'empirisme, de réfléchir à comment on peut faire les choses nous-mêmes. Toi, tu disais, il a construit ses pédales tout seul, c'est lui qui a géré le patch, machin, enfin, tout est un peu comme ça. Et puis le projet s'appelle Norg, et en fait, au départ, ça vient de Novum Organum, et ça vient de ce texte qui s'appelle De Novum Organum, de Bacon. Philosophe qui
qui a écrit. C'est un gros truc assez compliqué et pas forcément, voilà, on n'a pas lu d'être complètement machin, mais en tout cas, donc, on s'inspire parce qu'il parle beaucoup de ça, de l'empirisme, qui en fait une culture sèche, voilà. Et on a vraiment cette idée, oui, d'être dans la pratique et dans le faire, c'est-à-dire dans le. C'est en ça aussi que ça rejoint le terme de composition, c'est construction en fait. C'est faire petit à petit, réfléchir, faire les choses bien, essayer de les faire soi-même, mais en essayant de. On est deux, donc ok, si je fais ça, qu'est-ce que je vais faire, tac, tac, tac. Voilà, c'est comme un jeu de. C'est un jeu, c'est la fabrication. Voilà. Je ne sais pas si tu as terminé. Bon. Je voudrais en fait, moi, revenir sur la question des enregistrements, qui est une question qui m'intéresse surtout par rapport à l'improvisation. Donc, je considère qu'il s'agit d'improvisation, si vous me le permettez. Donc, après, quand vous avez annoncé que vous allez travailler un disque, en fait, je me demande quelle est votre façon de travailler l'objet disque, parce que, voilà, pour moi, surtout dans le milieu de l'improvisation, effectivement, la situation du concert et la situation peut-être de la production d'un disque sont deux objets et une situation quelque part très différente. Et donc, je suis curieuse de savoir comment vous allez travailler pour la production de. Eh bien, déjà, on s'est dit, bah, tiens, on ferait bien un disque, donc bah, faisons un label. Donc on fait notre label, voilà, parce que. On n'est plus vraiment dans cette idée, encore une fois, de faire par soi-même parce qu'on défend des choses aussi derrière, enfin, ça veut dire quelque chose, de faire cette musique, la faire comme ça, de vouloir faire un disque, de l'enregistrer, de, voilà, donc on fait des choix et puis ben, voilà, on crée notre propre label, ce qui s'appelle Patazone. Et avec l'idée derrière, évidemment, de se dire qu'il y aurait deux mondes, hein, évidemment, c'est un peu utopique et tout ça, mais c'est quand même le point de départ. Il y aurait un monde qui amasse, une zone qui amasse, Amazon, et puis une zone plus pataphysique, plus utopiste, qui pense les choses autrement, donc la patazone, hein, la patazonie. Et du coup, notre label, il va prendre naissance dans ce cadre-là. Évidemment, l'idée, c'est de distribuer, donc on est en train de travailler avec l'autre distribution pour qu'on soit distribué, ça va se faire. Après, le choix des sessions, ben, on en parle tous les deux. Comme on enregistre des sessions, ben, voilà, pour l'instant, on est déjà assez arrivé sur. Qu'on enregistre en concert, en fait. Ouais. Dans la boîte, sur le studio. On pense pas comme ça. Là, par exemple, j'ai enregistré en quelques pistes. Si la session, en sa globalité, nous plaît, elle, peut-être qu'elle peut servir. Elle sera sur le disque. Après, il n'y a quasi pas de montage, sauf vraiment s'il y a. Grosse faute de mauvais goût ou un larcet qui va. Mais on garde l'intégralité de ce qui se passe. C'est vraiment de la prise live en fait. Mm-hmm. On n'est pas en trop en studio à faire des intros. Donc vous allez choisir des séances en live qui vous ont particulièrement plu. Ouais. Parce que on décide que c'est bien de commencer par celle-ci et peut-être qu'il y en aura d'autres après. Enfin voilà, c'est pas. Là, pour l'instant, on est plutôt d'ailleurs arrêté sur deux sessions qui nous votent, mais peut-être que ça sera d'autres. Moi, je m'interroge beaucoup cette question, si peut-être pour terminer, je sur la composition et l'improvisation, parce que, à mon point de vue, il est peut-être un peu plus global et certainement un peu trop homogène, mais moi, je pars du principe que c'est l'écoute qui crée une éventuelle la composition, qui met ensemble des choses. Et que, mais pour moi, ça peut être une composition, c'est pas tellement un souci, c'est-à-dire qu'en fait, il me semble que interrogeons-nous sur qu'est-ce que nous entendons avec mon cadre en nous, sur qu'est-ce que c'est que les compositions aussi. Est-ce que c'est la reproductibilité, est-ce que c'est l'utilisation et tout ça. Je dis ça parce que je crois qu'effectivement la question du live, qui était aussi cette quasi-utopie hein, des musiciens improvisés de l'année 70-80, qui était vraiment de garder cet instant éphémère tel qu'il était, je me demande si c'est toujours le cas. Juste une chose, c'est que, puisque tu le connais très bien, mais moi j'ai été étonnée il y a quelques années, je ne sais pas combien de temps, mais puisqu'on parle d'un ami commun qui le racontera, qui était vraiment dans cette question de non fixer, donc quelque part, de ne pas regarder les traces finalement. Et puis, sur l'ancien site du Grimm, je peux regarder maintenant, hein, il y avait quand même un petit onglet qui est arrivé un jour, assez étonnant, je trouvais, qui était l'onglet archive. Et cet onglet archive, c'était soit des captations vidéo, soit des
Desmond Cloud avec une trace finalement. Et je me suis dit, mais c'est génial, vous voyez, qu'on le donne pas après, qu'on en fasse pas une transcription, qu'on ne l'inspire pas pour réinterpréter. On est déjà sur quelque chose qui veut faire trace. Parce que pour moi, il me semble que, voilà, enregistrement, captation, c'est peut-être aussi une des conditions sine qua non de ces musiques qui peuvent se perdre quelque part. Et pour entrer dans l'histoire et pouvoir être ne serait-ce que réinterprété, donc c'est-à-dire à un moment donné, soit commenté hein, musicalement ou par les mots, peut-être faut-il en passer par là et quelque part perdre cette utopie. Et du coup, cette séparation, bien sûr, qui est importante aussi, mais en fait, on joue sur les mots entre composition et improvisation. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais vraiment, ça m'interroge beaucoup cette question-là. Ouais, hein, souvent, ce qui est rigolo, c'est qu'on enregistre un truc pour faire écouter aux gens, un programmateur, tu vois, on file la cassette d'une improvisation, et quand on fait le concert, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, je ne sais pas ce que je vais écouter. Ben, c'est n'importe quoi. Donc, vraiment, effectivement, fixé dans un sens, mais dans un sens non. Oui, moi, ça me fait penser à ce que tu dis, tu vois, ça me fait penser à ce sculpteur qui s'appelle Richard Serra. Oui. Vous connaissez, qui a fait ses brochures en fer, ses gros murs, ses clés, tout ça. Ben, ce qui est intéressant, c'est que lui, il fait improviser. Longtemps, il a fait de l'improvisation en sculpture, hein, pas en musique. C'est-à-dire qu'en fait, il a ses matériaux et il sait pas au moment où il se met à souder, il sait pas ce qu'il va produire. Et son but, en me disant c'est de l'improvisation, c'est qu'il ne sait pas du tout où il va et on fait au fur et à mesure, voilà, pouf. Et surtout quand il va faire une deuxième improvisation, son but c'est évidemment de ne jamais reproduire quelque chose que j'ai déjà fait. Parce que l'improvisation c'est aussi toujours chercher des territoires où on sait pas où on va, on sait pas du tout ce qui se passe, on ne prévoit rien, on ne reproduit rien, etc. Ce qui n'est pas toujours évidemment le cas. On essaye, voilà, mais on essaye. Non, c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a aussi les maîtres de l'improvisation libre qui sont vraiment des très grands, etc., qui font de l'impro depuis 50 ans, et finalement, quand on les entend, on sait tout de suite que c'est eux. Voilà, bon, donc ça veut dire aussi quelque part, c'est pas vraiment, c'est un peu une gageure, quoi. Mais bon, n'empêche qu'il y a ce côté-là. Et à partir du moment où, par contre, il se met à faire des formes, par exemple, ces cubes qui reproduit, etc., et là, il sait qu'il est en train de faire ça. Par de composition. Mmh. Il en a fait plein, qui sont de tailles différentes, qui sont dans des endroits différents, on ne voit pas de la même façon, etc. Mais pourtant, c'est des compositions. Parce qu'il est dans une forme qu'il essaie de reproduire. Nous, avec Norme, là, on n'a pas d'improvisation et on connaît très bien la musique improvisée qu'on en fait, tous les deux, dans d'autres contextes. Parce que justement, on est quand même dans quelque chose qui se tient, qui a une forme, donc voilà, qui a une structure, qui a une couleur, qui se reconnaît, et on pourrait le faire entendre plusieurs sessions qu'on a rentrées dans la machine. Ah bah oui, tiens, c'est nous, ça s'entend, on sait qu'on est dans cette histoire-là. Donc on est évidemment c'est pas fixé, c'est pas écrit, mais on est dans cet endroit-là de la composition. C'est comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un débat sémantique en fait, entre l'improvisation et l'improvisation. Qui n'a pas existé. Oui, non, qui dépasse la situation, parce qu'en en fait, on s'en fout, on a besoin de savoir ce que c'est que l'un ou l'autre pour être là. Mais pourquoi cette question finalement est si importante? Et quelque part elle vient là parce que naturellement, de mémoire, Eric, au début de l'intervention, tu as dit voilà, je suis gros compositeur de pièces, c'est une manière d'affirmer, c'est une affirmation. Enfin, et c'est pas aussi pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, que cette musique est produite par des musiciens et écoutée par des personnes qui sont des musiciens, ou du moins comme de culture musicale. C'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois organiser des protocoles, parce qu'on parle de composition, il y a beaucoup de protocoles, et qui sont effectivement cultivés ou organisés par, je dirais, la culture musicale. Donc, qui est sans doute certainement assez différent de la musique produite par des musiciens. Des effets sonores qui peuvent déterminer autant de musique, sans pouvoir la qualifier parce qu'elle dispose pas des éléments de culture musicale. Et dans la réception et l'écoute, je posais la question, effectivement, il y avait des publics, peut-être une partie ou la majorité de ceux qui nous écouteront à la robineuse, qui ne sont pas des musiciens au sens de la formation, mais qui ont une manière d'organiser leur écoute et sans doute une forme critique d'écoute qui est organisée différemment de celle de l'oreille et de la culture musicale. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, je trouve. Parce que là, on est entre nous.
mais c'est peut-être la même chose qui aurait pu être produite extrêmement différemment et reçue extrêmement différemment. Et quels sont les éléments de vocabulaire et comment qualifie-t-on l'écoute et la production sonore par des personnes qui ne sont pas musiciens. D'ailleurs, j'imagine que dans notre situation de concert, qui serait plus, on va dire, frontale que dans cette pièce-là, tu n'aurais pas commencé par dire alors ce qu'on fait, c'est on ne sait pas ce qu'on va faire, on va improviser, mais en même temps, il n'y aurait pas eu de discours au début, vous auriez commencé. Après, à la fin, éventuellement, des gens auraient dit c'était bien, du coup, vous saviez, c'était écrit, vous saviez ce que vous alliez faire. Puis, du coup, on n'aurait peut-être pas eu effectivement cette discussion sur, entre le débat, entre guillemets, entre la fixation, l'éphémère et la composition et l'improvisation, qui maintenant, effectivement, sont un petit peu. Enfin, ces questions, on va un peu au-delà, vu que les uns nourrissent les autres. Moi, j'aimerais peut-être prolonger un peu la question de la terminologie et l'amener de votre part, parce que justement, dans votre discours, souvent des termes provenant des arts plastiques, on n'a pas où. Donc, on a parlé d'une approche plastique, à un autre moment, on a parlé de peindre, ensuite, où je mentionne Richard Serra, voilà. Et donc, je me demande pourquoi souvent on a besoin d'utiliser un langage, le langage des arts plastiques ou les termes d'art sonore. À chaque fois que on sort quelque part de l'écriture musicale, qu'on sort de certaines limites de la musique, pourquoi en 2018 on ne peut pas assumer que la musique est aussi ça et qu'il y a... Moi j'ai ma réponse, mais ça après c'est... Oui, mais évidemment c'est personnel. C'est mon point de vue, c'est-à-dire que moi je pense que la façon dont on enseigne la musique, la façon dont on l'enferme dans un vocabulaire qui définit en fait une certaine forme d'écriture de la musique, parce qu'on part toujours du solfège, de la façon d'écrire une musique tempérée, etc. Tout vocabulaire s'est construit autour de voilà, tout un répertoire qui prend toute la place, en tout cas 99,9% de la place de ce qu'on entend, et de ce qui est enseigné, transmis, compris, analysé, écouté, etc. Et que donc le vocabulaire, de fait, s'est appauvri pour décrire cette musique-là, cette façon de la faire. Dès qu'on est du coup en dehors, on est en dehors, et d'ailleurs c'est le cas souvent pour même les gens qui sont vraiment enfermés dans cette façon de voir la musique comme étant un seul endroit que le solfège permet totalement de décrire, de comprendre, etc. Bah, dès qu'on est en dehors, on met en dehors tout de suite. Et du coup, on utilise un vocabulaire qui vient de d'autres endroits, qui peut venir voilà, effectivement de la nature, de la sensibilité, de la peinture, etc. Parce que là, l'expérimentation a été beaucoup plus présente, acceptée, fait partie de l'histoire même de, tu vois, des plasticiens. Moi, il est arrivé de faire un séminaire justement pour la DAC, pour l'éducation nationale, un séminaire sur Kelch pendant plusieurs années. Et quand j'avais pour des profs, donc j'avais des profs de musique, des profs de français, des profs d'histoire, les profs de musique, il n'y en a pratiquement aucun qui connaissait. Et par contre, les plasticiens, ils connaissaient tous. Parce que, les plasticiens, Kelch, pour eux, il n'y a pas de souci, ils connaissent complètement, au même titre que. Les autres. Quoi. Et en fait, je pense que il y a un vrai problème là, à cet endroit-là. Et je sais pas pourquoi si, je sais pourquoi, c'est qu'il faudrait vraiment changer totalement la façon d'enseigner la musique en France particulièrement, au collège bien sûr, mais aussi dans les conservatoires. Et laisser beaucoup plus de place à l'expérimentation, comme ça peut l'être dans les écoles d'art, etc. Parce qu'en fait, l'expérimentation est toujours rangée dans la case du petit truc en plus qu'on peut faire de temps en temps et qui fait du bien, parce que on expérimente un petit peu, et après on revient aux choses sérieuses. Et puis on se remet au boulot, etc. Et c'est un souci, ça. Je pense que du coup, le vocabulaire suit les choses, c'est la case. Moi j'étais curieuse, justement, moi je suis historienne de l'art, donc je viens justement des arts plastiques, et j'étais curieuse de savoir pourquoi. Quelqu'un comme toi, qui a une formation des compositeurs,
à un moment donné à la nécessité de rajouter artiste sonore dans sa bio. Bah, et évidemment, c'est des réponses toujours personnelles. Oui, ouais, c'est personnel, mais parce que quand tu mets compositeur, ça te dit quelque chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça te dit tout de suite quelque chose. Ça te range dans un certain réseau, ça t'enferme dans une certaine boîte. Compositeur, finalement, t'es plus. C'est écrit. Ouais, tu fais la musique. Et du coup, ça pose question. Moi, par exemple, j'ai écrit la musique en partie sonographie. Oui. Donc, ça pose une question. Parce que pour les compositeurs, moi, je suis pas compositeur. Donc, tu vois, c'est des cases comme ça. Donc, en fait, je dis compositeur, musicien, artiste sonore, tout ça. Et puis, mettez-moi où vous voulez. Moi, je m'en fous, en fait, je vous en regarde. Je fais le son, quoi, voilà, et je fabrique, je construis. Et oui, j'ai écrit ma musique. Des fois, j'ai des pièces qui sont jouées par des ensembles. Et tout ça, c'est la même chose pour moi. Mais voilà, si je mets que compositeur, pas marché, si je n'ai que artiste sonore, ça n'a pas marché, et tu vois. Ouais. Après, je pense que c'est aussi une question d'approche, parce que en tant que praticienne, moi j'ai fait des conservatoires traditionnels, entre guillemets, j'ai toujours aussi voulu dans ma pratique justement essayer de quitter cette prendre possession de l'espace total, et même au travers de la partition, j'arrivais à me créer moi-même un espace sonore différent, qui n'était pas forcément, que j'expliquais pas forcément aux gens qui m'écoutaient. Mais c'était ma patte, donc je pense aussi que c'est une question d'approche plus que... on peut décloisonner, mais c'est une question de comment on interprète, et moi je fais beaucoup de partitions graphiques aussi, et je me considère comme compositrice parce que c'est de l'exploration sonore, et le compositeur fait aussi de l'exploration sonore de toute façon, de par le geste artistique. Donc c'est une vraie question, je pense que c'est la terminologie qui pose question. Où est la limite en fait entre l'artiste sonore et le compositeur, et c'est une grosse question quoi. Quelque part, un compositeur il est artiste sonore aussi, donc est-ce que tous les artistes sonores sont compositeurs? Non, c'est ça les... Bah, moi dans ma conception des choses, oui, mais c'est juste que encore une fois on en revient à l'institution et à la culture des institutions qui fait que on est tous victimes de ça, de par où on est passé, de par qui on a été formé, comment on a été formé, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a joué, pourquoi, avec qui, qu'est-ce qu'on écrit, comment on écrit, enfin, tout ça donne de l'information. Et avant même qu'on écoute, qu'on s'écoute et qu'on soit dans le son, c'est tout ça qui est vu. C'est-à-dire que, voilà, moi si je suis pris en résidence de composition dans un lieu, avant qu'on m'ait contacté, la personne va aller voir sur mon site, la bio, regarder avec qui j'ai travaillé, quel ensemble a créé mes pièces, en quelle année, je suis passé où, quelqu'un. C'est tout ça qu'il a gardé, parce que tout ça raconte quelque chose. Alors après, il y a des gens aussi qui viennent te chercher parce que justement, tu es complètement à côté et tout ça. Mais c'est encore une autre façon de tomber dans des cases. Du coup, l'idée, c'est de pas l'idée. On essaye en tout cas de casser ces cases et de dire qu'en fait, tout ça. Peu importe, que ça est lié. C'est peut-être aussi que le fait d'être compositeur, comme tu dis, concentre sur une vision, sur l'écoute, un type d'écoute. Mais aussi, il existe des organismes comme la SACEM, enfin, auxquels, pour avoir droit, il faut répondre à un certain nombre de critères, etc. Donc il y a toute une lecture sociétale, en fait, de ces conditions-là de survie, de ces métiers. C'est important, ce point de vue-là qui n'est pas consensuel, du coup, qui est problématique. Tu as complètement raison. Moi, j'ai écrit des pièces, donc on parlait tout à l'heure, une pièce qui est Walden. C'est vraiment un gros boulot d'écriture pour le coup, mais c'est d'écriture graphique. Gros boulot d'écriture par rapport à des lieux. Ces pièces ont été créées par des ensembles, par Ars Nova, par Sébanet, par Ars Condonné maintenant, etc. Donc Ars Nova en a créé plusieurs. C'était des commandes de gros lieux comme la Fondation Royaumont, GBM, tout ça. On était vraiment dans le principe de ce qu'est une composition, un compositeur qui est invité en résidence, qui écrit une pièce, ensuite un ensemble qui travaille la pièce, puis la pièce est jouée. Et avant que mes pièces soient acceptées à la SACEM, aujourd'hui c'est le cas, mais j'ai eu 2-3 ans de bataille avec eux pour leur faire comprendre, parce qu'en fait, ils recevaient les partitions, et puis ils me téléphonaient, et ils me disaient, écoutez, on a bien reçu les plans d'installation de la scène. Ah, je dis, non, c'est pas les plans de la partition. Ah bon, mais pourtant, la partition est passée chez nos experts, donc ils sont des experts, hein, donc on peut... Ouais. Voilà, il faut imaginer que les experts à la SACEM, ce ne sont que des gens qui
sont vraiment des pointures, hein, ils connaissent vraiment. Mais en fait, par son graphique, par exemple, là, alors ça existe depuis 1940. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais dit, c'est quand même un peu étrange. Voilà, et ben, il a fallu que je leur explique ça au téléphone, que je leur explique que Stockhausen en avait écrit, que Ligeti, etc. Pour qu'ils acceptent au bout d'un moment. Ah oui, ok. Donc, mais pourtant, un enregistrement n'aurait pas suffi. Enfin, j'imagine bien que la partition graphique pose un doute parce que c'est temps d'avoir des natures déportées, mais un enregistrement suffit pour enregistrer une composition à ces scènes. Ouais, mais pas en tant que telle. Pas en tant que pièce déposée qui peut être ensuite reprise et peut-être éditée, etc. Et enfin, si tu veux déposer ta partition, faut. Ah oui, c'est pour déposer la partition. Ah, oui. Et du coup. C'est pas pour le d'auteur. Non, non, pour c'est pour, et puis c'était aussi un combat de dire, pour dire, oui, mais ça existe, ça existe un travail, et donc si l'organisme est là pour sorter et défendre les partitions et les auteurs, bah, il faut le faire jusqu'au bout, quoi. Il ne faut pas mettre des cases et puis dire... Donc si nous, ici, on peut avoir certaines porosités au niveau lexical, par contre, dès qu'on va à l'extérieur et qu'on se trouve en vis-à-vis d'institutions, non, c'est des ça pose problème. C'est ça. C'est quand même un certain nombre d'années que les partitions graphiques ont été. Mais c'est un problème d'aujourd'hui, on est victime quand même dans l'institution. Nous, on sait bien en tant qu'artiste, parce qu'on est tout le temps confronté à ça. On parle de la SACEM, mais on peut parler aussi des DRAC, des commissions, etc. Ces fameuses commissions d'experts, parce que ça s'appelle comme ça. Maintenant, il y a des commissions d'experts à la région, des commissions d'experts à la DRAC. Donc, ce sont des experts. Et ces experts, bah, ils regardent ton travail et puis ils déterminent en fonction d'une grille qui est la leur, en fait. Et qui est une grille, évidemment, qui vient d'un certain milieu, d'une certaine façon d'écouter, de comprendre, de défendre les choses. Donc forcément, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Donc, d'un point de vue statutaire, il vaut mieux cocher toutes les cases. C'est ça. C'est comme quand on dit que tu fais un projet et qu'on dit, oui, mais alors, bah, c'est du théâtre ou c'est de la musique. Ah, je vois, moi, c'est... Comme vous voulez. Voilà. Ah oui, mais non, mais nous, c'est pas la même ligne, donc il faut cocher. Bon, et tout ça, voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors, c'est quoi comme style de musique? C'est quoi ça, ce qu'on fait comme musique? J'en sais rien. Hein. Je sais pas. Mais peut-être que. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait là, on fuit un peu, hein, on est en train de fuir, puisque finalement, on se replonge pas dans une question d'écoute fondamentalement. C'est vrai, hein, mais, parce que c'est vrai, je crois que c'est tellement compliqué de parler de la musique et de ce qu'on a pu justement écouter. Hein, et là, ça me fait penser simplement à ça, c'est-à-dire que cette écoute classificatoire, etc., pour peut-être l'abandonner définitivement et se connecter. Avec ces dimensions plus phénoménales qui sont compliquées, c'est ce que tu disais par rapport à l'action d'espace, les arts plastiques et tout ça. C'est vrai que comment parler du musical, moi je trouve que c'est une des questions les plus compliquées. Quand on soit enseignant, interprète, c'est très compliqué parce que sinon, parce que effectivement, qu'est-ce qu'on fait on est sans cesse en train de remettre de l'image, de l'espace, des déclarations d'intention géniales, hein, de dire il faut qu'il y ait une écoute spécifique, il faut que. Comment est-ce qu'on fait pour en parler? Alors c'est vrai qu'il y a ces valeurs refuges qui sont soit des analyses avec cette idée dominante, classification, le thème, machin, tout ça. Et il y a des tas de gens qui vont parler, dont André Boukouachev, que j'aime beaucoup, qui lui déjà disait mais il faut aller au-delà et essayer de trouver. Et après, effectivement, dans les musicologues repérés, quand on parle, quand on a une description métaphorique ou phénoménale du musical, qui est pourtant la plus proche peut-être de ce qui sonne, on est tout de suite là aussi classé comme étant non spécialiste. C'est très étrange. Cette liberté de discours des arts plastiques ou des critiques d'art, etc., face aux œuvres, combien ça n'est absolument toujours pas possible. Ouais, c'est ça. Oui, on n'a pas parlé de Schaeffer, hein, mais tout ce qui est de la matière sonore est décrite depuis les années 50. Bien sûr, pourquoi on parle d'Auber? Pourquoi est-ce qu'il y a un... Parce que ce n'est pas lié au fait que dans l'histoire des beaux-arts, les artistes sont des solitaires, et comme dans l'histoire classique de la musique, les musiciens sont des soldats dans l'orchestre. Où les hiérarchies sont complètement différentes. Mais autant il me semble que la formation musicale est plus ancienne, véritablement, en termes de pédagogie, que l'apprentissage des beaux-arts. Enfin, il y a plus de littérature, il me semble, concernant ça. Non, je crois pas. Enfin, c'est une hypothèse. Je crois pas. Mais je pense que par contre, il y a eu un Duchamp et que Duchamp a été complètement à mon sens. Hein, mais il y a eu Duchamp et d'autres, tout ça, mais ça a été vraiment. Ça a été vécu comme de liberté, nous c'est vrai dans la musicologie, en tout cas, okay, je sais pas. Regarde même Satie, tu prends Satie. Ou même Satie d'ailleurs. Tu prends Satie, c'est un avant. Satie a tout de suite été, qui est quand même un des premiers justement à sortir de la musique de son carton. Tout de suite, bon, ben, c'est salut. Au revoir, c'est un fou, et bon, bah, il fait ses trucs dans son coin. Bon, et alors qu'en art plastique, enfin, dans la. Je
pense que même si on va à la Renaissance, des artistes hein, qui vont avoir des démarches un peu excentriques, ou qui vont être avant-gardistes ou sortir, sont tout de suite mis en avant parce qu'il y a un accompagnement dans le vocabulaire, dans la recherche et l'expérimentation en fait, est au cœur du principe du faire. J'ai l'impression qu'en musique, notre façon de l'enseigner, l'enfermer dans un carcan, fait qu'en fait l'expérimentation est un peu mal vue quand même. Un peu vu comme quelque chose de. On s'amuse, c'est un peu drôle, mais attention, voilà, il ne faut pas trop s'amuser non plus. Quoi. Il y a la discipline ouais. Déjà d'apprendre ouais. L'instrument, d'apprendre ouais. Le solfège, d'être dans ouais, ouais. Ben, on pourrait le faire. C'est beaucoup de la mystique. Mais il n'est pas faux de dire que la musique est un champ d'expérimentation qui n'est pas toujours analysé, qui est extrêmement riche et quelquefois bien plus large que celui des artistes. Bien sûr. Sûr. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement intéressant. Parce qu'à la fois, il y a des modes très écrits et très académiques et des contraintes qui naissent de ça. Et en même temps, la musique était un domaine d'expérimentation hallucinant. Quand tu évoques Eric Satie, 1898 Vexation, c'est l'acte fondateur ouais, de la modernité. Et c'est les musiciens qui le revendiquent. Ouais. Hein. Ouais. Ce n'est pas les musiciens, parce que ça peut échapper à la question de la catégorie musicale, mais c'est quand même un musicien qui a produit l'acte fondateur de la modernité. Donc c'est assez lié avec le principe protocole, de musique ambiante, etc. C'est hallucinant. Et c'est les plasticiens qui ont essayé de le recréer. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est la musique. Ce que je veux dire, c'est que quand on va, aujourd'hui, quand on va dans une école d'art, l'expérimentation est au cœur du principe de l'enseignement. Et ça se sent. Voilà. Et là, il y a des choses partout. Quand on va dans l'équivalent, c'est-à-dire au CNSM, au Réunion à Paris, lorsqu'il y a un conservatoire, déjà, c'est vraiment un endroit qui est là pour conserver, quoi. Je suis désolé, mais l'expérimentation, elle n'est pas présente. Si elle a lieu de temps en temps, parce qu'évidemment, il y a des profs super qui essayent des choses, bien sûr, comme partout. Mais n'empêche que c'est pas le cœur, c'est pas ce qui se dégage dès qu'on arrive. Et donc, il y a un problème. Quoi. Est-ce que c'est pas une histoire politique? Si, à un moment donné, les écoles de Beaux-Arts ont pu se libérer dans une époque au poste du chant qui a dû prendre son temps tout de même, hein, mais enfin, c'est dans l'histoire du XXe siècle. Il y a eu en même temps séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle, où je pense que ça n'a pas joué de la même manière dans le champ de la musique et dans le champ de l'art, le fait que l'expression artistique était codée par rapport à des organes du pouvoir. Les arts plastiques, c'est un espèce de heureusement qu'il y a eu mai 68, les arts plastiques, parce que sinon c'était même l'académie. On produisait des modèles. On produisait des modèles. Et donc c'était quand même extrêmement contraignant. Enfin, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent mieux la chose que moi, mais c'est vrai que les arts plastiques est un domaine extrêmement réactionnaire et a été longtemps. D'ailleurs, avec la prétention plutôt de former des artisans que de former des artistes, la question de l'émancipation de l'artiste est née vraiment dans les années 60 et c'est ça. Et je pense qu'en musique, c'est ça qui sauve aussi d'une certaine manière avec cette expérimentation qui n'est pas enseignée, c'est que ça produit quand même aussi des artistes. Et il y a des musiciens qui peuvent se revendiquer effectivement de cette qualification avec toute la liberté et l'originalité que ça peut aussi. Oui, bien sûr. Mais toi, tu parles des années 60. Si on prend Fluxus par exemple, Fluxus a été quand même un champ de recherche et qui a complètement révolutionné la façon de penser les œuvres d'art humaines, etc. Alors, il y avait des musiciens, des plasticiens, c'était partout. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste concrètement en termes de confrontation au niveau public? Fluxus, tu vas dans n'importe quel musée d'art contemporain, il y en a partout. Tu as une relation aussi à ces traces, à cette histoire. En musique, pour aller chercher la musique expérimentale, se confronter à la recherche sonore, à l'expérimentation, il faut être dans un certain milieu, aller dans des trucs un peu qui défendent, dans des cadres, dans des coins un peu pas possibles, etc. Les CNCM, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et il ne faut pas tous un boulot qui est de porter toutes les musiques, je pense qu'il y a un truc qui est différent. Moi, je m'interroge aussi sur la, justement par rapport à tout ça, sur la construction historique du champ des arts sonores, qui est une construction qui est déterminée par la culture de la musique par rapport à toutes les démarches qui allaient questionner ses propres limites dans les années 60.
dans le sens que les pères fondateurs de dites arts sonores sont des compositeurs et des musiciens qui, dans les années 60, ont essayé d'aller un peu plus, d'aller au-delà des catégories musicales, qui n'ont pas trouvé des lieux, en fait, des espaces, des situations, des institutions pour leur travail, et qui se sont retrouvés très à l'aise dans les institutions des arts plastiques. Les institutions réelles et discursives des arts plastiques qui avaient déjà développé un discours qui allait au-delà de l'artistique vers l'extra-artistique. Alors que dans la musicologie et dans les institutions musicales, aller au-delà du musical vers l'extra-musical, c'était presque impossible. Et donc, en fait, on a, de mon point de vue, très personnel, on a eu besoin d'inventer une catégorie bâtarde de cet art sonore pour toutes ces démarches qui n'entraient pas dans... Et d'ailleurs, les pères de l'art sonore, tu citais les années 60, mais avant, c'était même presque venu des plasticiens, de Russolo, de Kurt Schwitters, tout ça, dans les années 30, dans les années 20. Et c'était même pas... Hein, oui, c'était des gens qui étaient plus assimilés à l'art plastique, il me semble, que Schwitters et Russolo, de la musique, quoi. Mais dans cette construction historique, je crois qu'il y a aussi ce que c'est que le son, la musique, le matériau, ce serait si simple si c'était que des constructions idéologiques ou historiques, parce que, bon, évidemment, c'est que ça, hein. Mais c'est aussi que la musique a un statut, je trouve, très, très particulier par rapport aux arts plastiques. On a cet accrochage vers la question de l'acoustique, par exemple, et quelque part du fondement naturel, hein, tel que certains veulent bien... qui est très ambigu par rapport, même si ok, hein, la nature, les couleurs, les pigments, tout ça, mais il y a quelque chose qui d'ailleurs nous fait considérer, enfin, je dis nous parce que bon, je connais beaucoup de la musique plastique, mais qui d'ailleurs fait de la musique à langage, hein, presque naturel. Enfin, il y a un statut très ambigu par rapport à l'artefact, donc à la création de la question du naturel, qui est complexe, qui est très complexe. Et que les arts sonores ont essayé de. On retrouve, enfin les acteurs des arts sonores ont quelque part retrouvé hein, ce trivium médiéval où la musique était plutôt science. Bah, c'est assez. Ouais. Mais quand on est enfant, quand on nous apprend à faire du dessin, on modifie un dessin, on fait du cribouillage. On dit c'est super. Quand on dit chante une chanson, ta 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 ta, c'est tout. on bloque tout de suite. Et j'ai plein d'amis qui peuvent aller voir des œuvres contemporaines, des œuvres expérimentales, des trucs visuels, la sculpture, la nature. Ah, oh, c'est super. Et leur met un truc sonore qui s'apparente au même niveau, c'est insupportable. Mais après, c'est physiquement, on est pas égaux, quoi. Avec ce qu'on peut écouter, ce qu'on peut voir, un son strident, ma compagne, elle me casse la figure. Je trouve une fréquence, elle vient à la maison, elle me fout en deux, quoi, parce qu'elle ne supporte pas. Alors, tu mets un flash, une œuvre d'art qui fait clac-clac, ça marche. Mais parce que tu fermes les yeux, tu peux, le son, tu peux pas, t'as zéro protection, t'as ça. La présence de. Les oreilles ou pas de côté. Les oreilles. Bien sûr. Donc, il faut apprendre, ça s'apprend. Et puis en plus, la présence de l'art contemporain, au sens sculpture, tableau, etc., est partout, aujourd'hui, dans n'importe quelle ville. Dès qu'on parle de modernité, on va trouver des œuvres, machin, Manéder ici, du Géry, machin, du Ricciotti, enfin voilà, donc les gens sont sensibles à ça, parce que c'est là, c'est. Voilà. Par contre, la musique contemporaine, voilà, la musique classique, il y a de la musique partout et tout le temps. Mais 99,9% du temps, c'est la même chose, c'est une musique, quatre accords qui descendent, qui tournent en boucle, en binaire. Et c'est quand même ça. Tout ça, c'est parce qu'on a pu la reproduire et vendre des objets reproductibles, ça fait des disques, ça a été. Ouais, coup, c'est pas des dédié aux gens qui étaient dans le marché. Tu vois, dans cette question. Et est-ce que c'est pas possible? Parce que, en même temps, il faut aussi s'interroger sur la construction de la musique, parce que la musique aussi, en tant que musique contemporaine, en tant que sphère d'action autonome, séparée de la vie sociale, séparée de la sphère du quotidien, c'est aussi une mesure récente. Ça n'a pas toujours été le cas, et c'est le cas pour. Un certain type de musique occidentale à un moment historique donné. Donc, Oui, ce que je veux dire, c'est que les gens, dans la vie de tous les jours, tu parlais des enfants, ou voilà, bah, si tu prends des gens qui ne sont pas dans une recherche de dire tiens, voilà, je vais essayer de me confronter à ce qu'est la création contemporaine pour son enfant, bah, tu vas être beaucoup plus confronté à la création contemporaine plasticienne, et sculpturale, etc., de fait,
qui fait promène un peu, et n'importe quoi, machin, que à la création contemporaine sonore. Si tu veux faire ça, il va falloir faire une démarche d'aller dans un lieu particulier, etc. Ou alors, la musique. En tout cas, la fac, on peut. La musique n'a pas la même entente. Mais l'expérimentation musicale n'a pas la même fonction, parce que, par exemple, enfin, je pense au jingle de compositeur électro-acoustique, que ce soit. C'était l'aéroport. L'aéroport Charles de Gaulle, c'était Parmigiani, je crois, qui avait fait un marché jingle. La RATP, ça a été associé à qui. Il y a eu Tavazine aussi. Et il a eu, enfin, je pense, du coup, la musique des Shadows, ou après même tout le design sonore au cinéma, qui s'apparente vraiment à à certains endroits, des effets, en fait, qui sont liés, qui pourraient être des sons très dissonants. Qui ont une autre fonction du coup que enfin, ce serait des musiques. Au lieu que ce soit une musique qui puisse écouter comme ça, c'est une musique qui sert soit à informer ou à associer une émotion. Effectivement, c'est une musique fonctionnelle. Ben c'est ça. En fait, l'écoute, aujourd'hui, elle est, pour la plupart d'entre nous, elle est presque que fonctionnelle. C'est-à-dire un son nous amène une information et donne une information. Mais la question de l'art contemporain dans l'espace public aussi. Est-ce que c'est aussi fonctionnel d'une certaine manière, enfin, mettre une œuvre de sculpteur sur un rond-point, ça permet d'identifier le rond-point plus que de dire c'est une œuvre. Enfin, pour plein de gens, la question ne se pose même pas. Quoi. C'est ça. C'est le rond-point avec le pouce. Enfin, on ne va pas le dire, c'est le rond-point du pouce. La question de l'art dans l'espace public, un peu de l'art, de la question de la sculpture dans les ronds-points, heureusement. Ah oui, non, mais... Parce que là, moi personnellement, je ne considère pas que la sculpture sur les ronds-points, c'est un rencontre avec la recherche artistique contemporaine. Donc franchement, on a... Le pouce de César, c'était une chose que tout le monde... C'est vrai, c'est... Et juste à côté, il y a une sculpture, au même moment, la deuxième sculpture de Marc Souverain, qui a fait l'objet d'une pétition immédiate de tous les habitants et qui a été démontée vite fait bien fait. Donc il y a aussi de l'art en espace public qui est absolument insupportable, alors qu'il vend effectivement les codes de la réflexion de la création contemporaine. Il est juste insupportable. C'est l'effet dissonant. C'est ça. Et en musique, il y a une catégorie qui n'existe pas en art, me semble-t-il, c'est qu'en musique, on a la musique contemporaine, on a la musique actuelle. Et en art contemporain, on a l'art contemporain. Et dans la musique actuelle, parfois, les gens de la musique contemporaine ont du mal à reconnaître qu'il y a des démarches qui relèvent d'une réelle expérimentation. On a un peu la même chose quand même avec le street art. Oui, c'est vrai. Quand on lit certains critiques, en tout cas, c'est très clair. La grande différence, c'est que. Avec le street art, c'est que la musique actuelle, elle est inscrite dans une économie mondialisée libérale, par la reproductibilité des disques. Chose qu'il n'y a pas avec le street art, qui est peut-être aujourd'hui des dérivés, enfin, je sais pas, une petite cabine téléphonique en plastique devant ce livre. J'en sais rien, mais c'est quand même curieux, c'est fou qu'on arrive à parler si longtemps de la définition des choses. Mais je pense que c'est la question que pose la musique au monde ou à la société, mais vraiment. C'est-à-dire que si on se plonge dans le monde sur qu'est-ce que c'est que la musique qu'on écoute, on est un peu en peine de trouver quelque chose de repère. Alors, trouver des définitions, je trouve ça génial. Moi, on est là aussi pour chaque fois qu'on parle, c'est quand même qu'on emploie un mot. Moi, simplement, ce que je remarque, c'est que les étudiants, il y a un vrai recul de l'écoute et des valeurs de l'écoute. On peut en témoigner, c'est-à-dire que quelqu'un, même côté Schoenberg, est compliqué. Parce que les catégories, on en avait quand même, hein, de beau, etc., d'harmonie, tout ça, sont des catégories qui reviennent en force. Donc, dès qu'il y a un pli, dès qu'il y a une dissonance, dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus à ces valeurs-là, qui ont été des constructions du 19e, mais qui sont à nouveau des constructions. Du 21e siècle, effectivement, et ça c'est très très compliqué, et c'est vrai quand même de son père, parce qu'on parlait c'est compliqué, hein, et c'est un idiot, mais il est clair que la question de l'art contemporain, du jazz contemporain, présent ou pas, espace, mais n'a pas du tout le même rapport à la musique, pas du tout. Et dans le milieu commun qu'on trouve aussi, maintenant chez les connaisseurs, et même chez les gens qui sont, parce que l'enseignement est comme ça, il y a une totale. Réfractaire à ça. Il y a un recul terrible de l'enservatisme. Moi, il me semble que c'est parce que la
l'économie de la musique et l'économie de l'art n'ont absolument rien à voir, donc elles ne relèvent pas des mêmes organes de pouvoir à quelques côtés qu'on prenne le sujet. Ça c'est clair. C'est sûr. Et pourtant, l'institution est là dans les deux cas. Oui, mais l'institution fait partie du pouvoir. Donc, ouais, d'autant plus lorsqu'elle crée des comités d'experts qui sont là pour approuver de la redistribution de l'argent public. Ouais. C'est tout de même l'argent du roi, même si on le coupe de la tête, il est là. Et ils vont ça c'est bien sûr. Alors c'est rigolo parce que du coup, parce qu'on parle de l'écoute et on arrive à, bah, c'est bien, justement à déplier plein de choses conceptuelles, théoriques. Je ne sais pas si. On parle du langage. On parle du langage toujours. Bah, toujours, heureusement. Ouais, bah, c'est pas un facteur externe à la musique pour moi, enfin, la façon dont on nous parle, les contextes dans lesquels on l'écoute, les institutions qui nous permettent de la créer, les moyens de production. Enfin, pour moi, ce n'est pas des questions qui sont externes. Non. Bah, non, c'est même dans certains cas la base, puisqu'on se dit pourquoi je vais, dans quel contexte je vais le faire, comment on va pouvoir m'aider, avec qui je vais travailler. Donc, c'est même la base de tout, en fait. C'est justement peut-être aussi pour ça que c'est... Bien sûr. Souvent, la question qu'on nous pose le plus souvent à la fin des concerts, c'est est-ce qu'on a envie. C'est ça, oui, c'est les conditions de l'existence. Est-ce qu'on a envie. Voilà, quel est votre métier. Faites quoi comme métier. Alors, à part ça. Non, mais il y a... Et à part ça, qu'est-ce que vous faites. C'est ça. Ça paraît toujours étrange de pouvoir... Bah, c'est vrai que ça conditionne les conditions d'existence, quoi, de survie, d'arriver à se définir par rapport à... un propos général assez filasseux, finalement. Enfin, moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand on dit, par exemple, nous, on est musicologue, on dit, c'est quoi la musicologie, ça consiste en quoi, enfin, les gens se posent même pas la question de tout ce qu'on fait en musique et tout ce que ça représente comme chant, et ça fait toujours... je comprends pas ça. Parce que, je pense que quand on se dit artiste ou plasticien, donc, ça parle beaucoup plus dans la tête des gens. Le musicologue. Ça passait à la télé, les artistes. Attends, moi, les artistes, on m'a dit que je fais du classique. Enfin, je sais pas. C'est pas forcément oui, très exclusif. Ah non, c'est bon, bah alors. Ouais. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bah, venu nous rejoindre pour cette séance d'écoute. Voilà, c'était une belle expérience aussi pour nous, hein, de voilà, partir justement des sons, de la musique, puisqu'on parle de catégorisation, des sons, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a d'autres remarques, questions, on peut clôturer le séminaire. Merci encore. Et la prochaine séance, c'est le 16 avril 18 avril. On n'est pas très au point, mais voilà. Donc, c'est une de machinique. Demain soir à l'Arbominos. Et demain soir à l'Arbominos. On va écouter en concert, voilà. Dans un lieu qui diffuse la bonne musique. Donc cet été à Chaillol, en août, c'est ça? Cet été à Chaillol, il y a plein de dates pour aller sur notre site internet. Parce que le Festival Chaillol, si vous ne connaissez pas, il y a aussi un festival qui décloisonne. Qui essaye de décloisonner aussi ce genre de la création. C'est ça. Dans les Alpes, avec des montagnes. Ouais.